commencer du coup. Donc déjà, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. Les gens vont continuer à arriver, mais on va commencer à diffuser le documentaire. Déjà, je tenais particulièrement à remercier donc nos trois intervenants du jour, et particulièrement Monsieur Pierucci d'avoir fait le déplacement aujourd'hui. Donc Monsieur Pierucci, c'est un ancien cadre supérieur d'Alstom. Et donc aujourd'hui, il va nous raconter son histoire qui est, vous le verrez, passionnante. Merci également à Monsieur Moinet et Monsieur Coussy qui sont tous deux, entre autres, professeurs des universités, donc à l'IAE de Poitiers, et qui pourront également nous apporter leur expertise dans le domaine. Donc là, on va vous lancer le documentaire qui dure environ une cinquantaine de minutes. Et après, on pourra échanger ensemble. Vous pourrez poser vos questions à Monsieur Pierucci et nos intervenants. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et... A tout à l'heure. Donc voilà pour ce documentaire. Faut savoir que ce documentaire date d'il y a maintenant quelques années. Donc ce qu'on va peut-être pour lancer les débats, avant de vous donner la parole, on va peut-être poser une première question à monsieur Pierucci. Premièrement déjà avoir son avis, hein, de son point de vue concernant ce documentaire. Et deuxièmement peut-être faire une petite mise à jour, parce que vu que maintenant il date d'il y a quelques années, sur la situation. Voilà. Merci beaucoup déjà d'avoir organisé cette soirée. C'est particulièrement émouvant pour moi parce que j'ai fait mon école d'ingénieur juste à côté, donc à l'ANSMA. À l'époque, c'était là, jusqu'en 90. Donc c'est la première fois que je reviens depuis 90 à Poitiers. Ce documentaire, pour moi, il est tombé au plus mauvais moment. Je vais vous raconter une anecdote. Ce documentaire est sorti en septembre 2017. Et en septembre 2017, j'ai dû retourner aux États-Unis après avoir vécu 3 ans en France. J'avais fait 14 mois de prison de haute sécurité. Ensuite, j'ai été libéré sous caution $1,5 million. Deux amis américains ont dû mettre leur maison en caution pour que je puisse être libéré. Et pendant 3 ans, les Américains n'ont pas voulu me juger parce qu'ils ne souhaitaient pas que je parle. Et ils ne souhaitaient pas surtout que je publie le livre qui a été publié ensuite, qui s'appelle « Le piège américain », qui explique ça en long, en large et en travers. Et donc, à un moment, ils ont accepté que je sois finalement jugé. Donc, j'ai dû retourner aux États-Unis après avoir vécu 3 ans en France. Et je suis retourné aux États-Unis donc en septembre 2017 pour ce qu'on appelle la séance de sentencing, c'est-à-dire qui vous donne votre peine. Et je devais rester normalement 6 mois en prison. Je suis resté 14 mois, donc normalement, ça devait être une simple formalité de retourner aux États-Unis. Normalement, je devais y retourner. La juge devait décider que c'était fini et je devais rentrer en France. Et le documentaire est sorti le jour où il y a eu cette décision aux États-Unis. Et la juge m'a condamné à 30 mois de prison. Donc en fait, j'ai dû retourner 12 mois en prison aux États-Unis après avoir fait 14 mois 3 ans plus tôt. Voilà, c'est juste pour la petite anecdote sur le timing de la sortie, qui est tout complètement involontaire. Mais non, c'est un travail remarquable qui reflète très très bien un peu tous les enjeux. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est l'organigramme à la fin, qui est bien mais incomplet. C'est intéressant de voir aussi l'organigramme côté américain, parce que vous pouvez faire exactement l'image miroir de l'autre côté. Je vais vous donner un exemple. Le PDG d'Alstom avait pris comme cabinet d'avocat conseil dans la fusion un cabinet d'avocat qui était dirigé par le frère de Jeff Immelt, donc le patron de General Electric. Donc je vais racheter votre entreprise et comme conseiller, je vais vous prendre le cabinet d'avocat qui est dirigé par votre frère. Vous voyez un petit peu tout l'enchevêtrement de relations, un peu de tous les côtés. Voilà. Merci. Merci à vous, Monsieur Pierucci, ce partage. Donc maintenant, on va passer à vos questions. Si vous en avez, si vous avez même des avis, des commentaires à donner, ben c'est le moment, n'hésitez pas. Monsieur Pierucci est là, donc ce ne sera pas tous les jours. Donc profitez-en. Voilà. C'est une fois tous les 30 ans. Hein. Exactement. On va aller là-bas. Hop.
Bonsoir. Donc moi j'ai une question. On voit pas forcément ce qui se passe quand vous êtes en prison. Donc j'aurais bien aimé savoir l'univers, est-ce que vous avez rencontré le FBI, etc. Alors ça c'est une longue histoire parce qu'en tout 25 mois. Alors je vais vous raconter ma première rencontre avec le FBI. La première rencontre avec le FBI, c'est que bon, je suis arrêté à la sortie de l'avion. On me met les menottes et on m'amène du siège du FBI à Manhattan. Et là, je rencontre le procureur du département de justice et l'agent du FBI qui était en charge de faire cette enquête. Donc là, il faut vous imaginer la scène. C'est un dimanche soir, après 24 heures de vol, parce que j'arrivais de Singapour, et je suis menotté au mur, sur une barre au mur, et j'ai ces deux personnes dans la salle, il n'y a personne d'autre. Il est minuit, un dimanche soir. Et là, le patron le procureur du département de justice me dit la chose suivante. Monsieur Pirucci, on voudrait que vous n'appeliez ni votre entreprise, ni votre consulat, parce qu'on veut que vous jouiez la taupe à l'intérieur de votre entreprise. Donc on veut vous relâcher, mais ça veut dire que vous retournez au boulot et que vous avez un micro autour du cou et que vous enregistrez toutes les discussions entre vos collègues pour collecter des preuves pour le FBI et vous les pousser à ce qu'ils s'auto-incriminent sur tout un tas de sujets. On fait un petit test là. Vous imaginez un petit peu, vous sortez de l'avion, vous connaissez rien au Foreign Corrupt Practice Act, vous connaissez rien à la justice américaine, vous êtes enchaîné au mur après un vol de 24 heures, et on vous demande soit de jouer la taupe pour le FBI dans votre boîte, soit d'appeler votre boîte. Qu'est-ce que vous faites? Qui joue la taupe? Non, c'est intéressant. Hein, qui joue? Trois, quatre qui joue la taupe. Les autres, vous ne jouez pas la taupe. Hein, vous appelez la boîte et vous appelez le consulat, c'est ça? Oui? Je ne vous entends pas trop là. Oui, c'est ça? Ok. Je crois qu'on aurait tous été résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, non? C'est ça. On est d'accord. Ouais, mais pas. Alors, je vais vous dire la chose. Je fais ce genre de conférences un peu partout dans le monde, et je fais souvent, notamment dans des publics où soit c'est mixte en termes de nationalité, soit c'est que des Américains, soit c'est que des Chinois, soit que des Français. Est-ce qu'il y a des Américains dans la salle? Non, pas. Est-ce qu'il y a des non-Français dans la salle? Non, tout. Ouais. Ok. Une personne. Deux. Alors. Je vais vous dire la chose suivante. Vous faites la même chose avec un public que d'Américains. Et ça, je l'ai fait par exemple à l'université de Georgetown. Vous posez la même question. Vous avez le FBI qui vous demande de jouer la taupe dans votre boîte. À votre avis, combien de personnes lèvent la main? Quasiment tout le monde. D'accord? Quasiment tout le monde. Pourquoi quasiment tout le monde? Parce que, déjà, on va vous poser une autre question. Dans cette salle, qui connaît des gens qui sont en prison ou qui sont allés en prison? Ok, 4-5 personnes. Faites le même test aux États-Unis. À votre avis, combien de personnes lèvent la main? Quasiment tout le monde. Pourquoi? Parce que vous avez un taux d'incarcération aux États-Unis qui, par tête d'habitant, est 7 fois plus important qu'en France. Donc en France, vous avez à peu près 70 000 personnes en prison. Si vous aviez le même ratio par habitant qu'aux États-Unis, vous auriez 1,5 million de personnes en prison. Donc là, ce n'est pas une ou deux centrales prisons en plus qu'il faudrait construire. 1,5 million de personnes en prison. Imaginez un pays, la France, où vous auriez 1,5 million de personnes en prison. Ça veut dire que tout le monde connaît quelqu'un qui est en prison aux États-Unis. Et notamment, beaucoup de gens qu'on appelle des white collar crimes, donc pour des crimes financiers. Et en général, vous allez en prison pour des périodes extrêmement longues. D'accord, 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Moi, on m'avait menacé 125 ans au début. Donc après, ils ont été gentils, ils ont réduit à 20 ans. Non, je m'étais bien sorti. Donc, je vous repose la question. Donc, aux États-Unis, lorsque le FBI vous demande si vous jouez la taupe à l'intérieur de votre boîte, ben en fait, vous dites oui, parce que après Dieu, la personne dont ils ont le plus peur aux États-Unis, c'est la NSA et c'est le département de justice. Le département de justice, ils ont plus peur du département de justice que de la NSA, la CIA, le FBI mis ensemble. Le département de justice, c'est ce qui peut vous mettre en taule pendant des années. Je vais vous poser la question de manière différente. Vous avez la DGSE qui débarque chez vous, ou la DGSI qui débarque chez vous, et qui vous demande de jouer la taupe dans votre boîte.
qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes d'accord, votre réponse va peut-être être un peu différente. Vous êtes russe ou vous avez le FSB qui débarque et qui vous demande de jouer la taupe dans votre boîte. D'accord ? Ok. Vous êtes chinois, vous avez les autorités chinoises qui vous demandent de jouer la taupe. Donc en fait, tout ça, ça dépend beaucoup de votre nationalité. Est-ce que c'est important parce que lorsque vous allez travailler dans des entreprises multinationales, etc., il y a une allégeance bien évidemment à l'entreprise, d'accord. Mais d'abord, il y a les pressions du pays, de votre nationalité, d'accord. Et si vous travaillez dans une entreprise multinationale, ben, il faut considérer que vos collègues qui sont de nationalité américaine, chinoise, turque, allemande, etc., vont pas avoir le même type de pression que vous le jour où il y a vraiment un gros pépin. D'accord. Et ils vont d'abord, tout le monde va d'abord penser à sauver sa peau. C'est d'ailleurs ce que montre très bien le documentaire. Le PDG d'Alstom, il veut d'abord sauver sa peau. Mais c'est pas non plus illégitime d'essayer de sauver sa peau dans ce type de circonstances. Pourquoi j'ai appelé mon bouquin le piège américain ? Parce que c'est un piège pour tout le monde. C'est un piège pour l'employé. C'est un piège aussi pour la direction générale du groupe. C'est un piège pour l'État. On vous met on vous fout un flingue sur la tête, on vous dit vous vendez votre boîte ou vous allez 20 ans en tôle. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, vous vendez votre boîte. Bah, vous vendez votre boîte. D'accord ? On a conseillé pas mal d'entreprises, etc., qui étaient exactement dans la même situation que la somme, des boîtes beaucoup plus petites. Vous avez ce piège est extrêmement bien huilé. Aux États-Unis, tout le monde travaille ensemble. La Maison Blanche, le département d'État, le département du commerce, les services de renseignement et les grandes entreprises. Et tout ça travaille ensemble depuis des années et on réussit à monter en fait ce qu'on appelle ce que des militaires américains ont appelé dans les années 90 la lawfare, la guerre par le droit, parce que c'est beaucoup plus facile de déstabiliser des entreprises, de les racheter en utilisant le droit qu'en utilisant d'autres choses. Et donc ils ont fait à la fin des années 90, lorsqu'il y a eu l'effondrement de l'URSS, la fin de l'histoire, vous vous souvenez, Bush, père, puis Clinton, ont décidé de réorienter toutes les agences de renseignement vers du renseignement politique vers le renseignement économique. Parce qu'ils étaient très très déprimés, ces gens-là. Après la fin de la guerre froide, les 16 agences de renseignement américaines, ils n'avaient plus rien à faire, hein. D'accord, donc très très déprimé, et donc réorientation de ces agences de renseignement vers le renseignement économique. Si vous parlez avec des gens comme Alain Juillet ou d'autres personnes qui sont apparues dans ce court-métrage, ils vous vont dire qu'à peu près 60% des agences de renseignement américaines sont concentrées sur le renseignement économique. Alors qu'en France, ça doit être à peu près 5%, Nicolas, un truc comme ça. Même pas. Les grandes années, ça doit être 5%. Remarque intéressante, on parle beaucoup des budgets des armées aujourd'hui, hein, avec ce qui se passe en Ukraine. Donc je vous rappelle, le budget de l'armée française, c'est 40 milliards à peu près, hein, en gros. Hein. Le budget des agences de renseignement américains, le renseignement américain, c'est 80 milliards. C'est le double du budget de l'armée française, que pour le renseignement. Voilà, ça c'est un truc quand même qu'il faut savoir. Je voudrais rebondir... puisque les profs aiment bien les conseils de lecture, et que vous êtes tous avides de lecture. Outre ce remarquable documentaire, effectivement, Frédéric en a parlé, il faut vraiment lire, moi c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, Le piège américain, effectivement, parce que c'est vrai que c'est pas dans une conférence qu'on peut raconter tout ce qui s'est passé, mais c'est vraiment prenant sur la pression. Enfin, moi j'ai même ressenti une pression en le lisant, hein, quand on fait pression, quand tu n'as pas accès à ta famille, que tu te demandes comment tu vas t'en sortir financièrement, etc. Enfin, voilà, les conditions d'incarcération, effectivement, qui sont assez sympathiques. Mais ça, tu peux en reparler peut-être après. Il faut aussi savoir que le DOJ, ce n'est pas la justice américaine au sens comme nous on l'entend. Hein, c'est les procureurs, mais ça, on pourra peut-être en parler après. Donc, lisez vraiment Le piège américain ou regardez la BD, parce qu'il y a une BD qui est sortie très récemment. Et un livre à lire en parallèle avec Ali Laidi, qui a écrit un livre sur le droit à nouvelle arme de la guerre économique, qui montre effectivement les capacités qu'a aujourd'hui le droit américain au sens large du droit. Et je vous dis ça parce que les auteurs de ce documentaire en préparent un autre qui va sortir très prochainement, pas vous dire encore sur quoi, mais sur une entreprise française qui est dans le collimateur de la justice américaine. Et ça pourrait être encore pire psychologiquement si ça arrivait que Alstom, d'un point de vue symbolique. Voilà, donc ça c'est important à dire. Moi j'ai juste une question, parce que tu en parles dans ton livre, tu peux nous rappeler, parce que comme tout le monde ne l'a pas lu, ce moment, parce que moi quand même qui m'a marqué, où
tu vas me dire si je ne me trompe pas, parce que de mémoire, où le procureur américain te montre en fait les documents, les emails qui avaient soi-disant servi à la corruption. Donc on est quoi ? On est 10 ans après les faits. Ça veut dire qu'un procureur est capable de ressortir des emails qui, a priori, ne devraient pas être en possession des Américains. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai été arrêté, déjà avant d'arriver à ces emails, je vous explique un peu comment fonctionne le piège. Lorsque une entreprise est sous enquête des autorités américaines, les autorités américaines demandent à ce que l'entreprise coopère. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire coopérer avec la justice américaine ? Vous avez une idée un petit peu ? Okay, alors je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Les Américains vont avoir collecté des informations sur une entreprise française, on va dire voilà, Alstom, comme quoi Alstom a fait, on va dire, de la corruption en Roumanie. D'accord ? Les autorités américaines vont convoquer à Washington le PDG du groupe ou son directeur juridique et vont lui dire, voilà, on a collecté des preuves comme quoi votre entreprise a fait de la corruption en Roumanie. On ne peut pas vous dire ce qu'on a, mais on a vraiment des preuves accablantes comme quoi vous avez vraiment fait de la corruption en Roumanie. Et donc, comme monsieur le PDG, vous êtes une personne éthique, vous voulez bien évidemment faire toute la lumière sur ce qui s'est passé en Roumanie. Donc, ce que vous allez faire, monsieur le PDG, vous allez embaucher un des grands cabinets d'avocats américains de la place, de Washington, pour faire une enquête interne. Alors, une enquête interne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez embaucher un cabinet d'avocats américains qui va faire une enquête sur vous-même. D'accord ? Et vous allez le payer. D'accord ? Vous allez payer quelqu'un qui va enquêter sur vous. D'accord ? Et là, vous avez deux choses à négocier avec les autorités américaines. Première chose, vous allez négocier le périmètre géographique de cette enquête. Donc, vous allez dire, OK, peut-être qu'il y a de la corruption en Roumanie, donc je vais enquêter sur la Roumanie. Vous dire, non. Si vous avez fait de la corruption en Roumanie, vous avez certainement fait de la corruption autre part. Donc, vous allez faire une enquête mondiale sur toutes vos filiales dans le monde. Donc là, il y a un gars qui commence à compter les dollars. C'est le cabinet d'avocats américain que vous allez embaucher. D'accord ? Parce qu'une enquête mondiale sur un groupe comme Alstom, vous imaginez un petit peu les frais juridiques que ça va encourir. La deuxième chose que vous allez devoir négocier avec eux, c'est le périmètre temporel de l'enquête. Vous allez dire, OK, il y a peut-être de la corruption en Roumanie il y a 3 ans, donc je vais faire une enquête sur les 3 dernières années, certes mondiale. Ils vont dire, non, vous allez faire sur les 10 dernières années. Ah bon ? Vous allez dire, mais attendez, il y a prescription au bout de 5 ans sur votre loi Foreign Corrupt Practice Act. Ils vont dire, on s'en fout. On s'en fout de la prescription. D'accord ? Nous, on veut monter sur les 10 dernières années. Et donc, vous allez vous-même, pour nous donner un bon gage de coopération, vous allez vous-même signer un papier comme quoi vous renoncez vous-même à la prescription. D'accord ? Et toutes les entreprises le font. Toutes les entreprises signent un papier où elles renoncent d'elles-mêmes à la prescription comme gage de bonne coopération avec les autorités américaines, parce que le procureur, c'est celui qui va pouvoir décider du montant de l'amende que vous aurez à payer. Et donc, il y a un beau livre qui s'appelle « US Sentencing Guidelines », qui définit non seulement les peines de prison pour les personnes, mais aussi les amendes pour les entreprises. Et dans ces guidelines, en fait, on vous explique que celui qui a le tout pouvoir, c'est le procureur. C'est le procureur qui, en fonction du degré de votre coopération, peut décider d'abaisser votre amende de 50%. Donc 50%, c'est peut-être 500 millions de réduction d'amende. Donc tout le monde veut montrer qu'il coopère avec les autorités américaines. Et donc vous retrouvez à devoir faire une enquête mondiale sur les 10 dernières années. Donc celui qui compte vraiment les dollars, là, c'est qui ? C'est encore une fois le cabinet d'avocats américain. Parce qu'ensuite, ce gars-là, il va venir, ce cabinet d'avocats, il va venir avec des équipes de forensique et il va se plugger sur tous vos systèmes informatiques. Et ils vont downloader tous les contrats que vous avez sur les 10 dernières années de manière mondiale, toutes les transactions financières, tous vos contrats, notamment avec des agents, des intermédiaires commerciaux, enfin votre réseau commercial, tous les emails échangés entre tout ce beau monde, d'accord, sur 10 dernières années, ensuite avec l'équipe de forensique, par mots-clés, ils vont essayer de trouver les documents sur lesquels ils sont intéressés. Donc ils collectent des millions d'informations. Dans mon cas, ils avaient collecté 1,5 million d'emails. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc lorsque je me suis retrouvé dans cette prison, dans les premières semaines, j'ai demandé à l'entreprise de me transférer tout un tas de documents pour que je puisse me défendre.
Donc j'ai demandé à l'entreprise de me transférer quatre documents. Un, les chartes d'organisation de 2003, donc 10 ans avant, 10 ans après avant mon arrestation, hein, pour savoir qui rapportait à qui à l'époque. Deux, les copies des procédures internes de sélection des intermédiaires commerciaux par qui avaient soi-disant transité les pots de vin. Trois, il fallait 13 signatures dans le groupe pour approuver la rétention d'un seul consultant, hein, donc jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. Trois, j'ai demandé les emails échangés par tout ce beau monde pendant la période 2003-2005. Et quatre, j'ai demandé un rapport d'audit qui avait été fait par la direction de l'audit d'Alstom qui me disculpait sur cette affaire. Je vais tester un peu votre éthique là. Demain, vous êtes PDG d'un grand groupe comme Alstom. Vous avez un de vos gars qui vient de se faire arrêter pour des affaires de corruption. Il est en prison. Il vous demande que vous lui transfériez des documents pour qu'il puisse se défendre. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous allez lui transférer les documents pour qu'il puisse se défendre et pour qu'il puisse éviter peut-être de longues années de prison ? Ou est-ce que vous n'allez rien transférer ? C'est assez binaire hein, comme choix. Hein. Ouais, c'est toujours des choix binaires dans ces affaires-là. Qui transfère les documents ? Même si ça risque de vous revenir en boomerang, même si ça risque de mettre à mal ou d'incriminer d'autres personnes qui sont de votre organisation qui ne sont pas encore arrêtées, même si ça risque de vous en lui transmettant des documents pour qu'il puisse céder, ça va mettre en péril peut-être des membres de votre COMEX, peut-être vous-même, peut-être d'autres directeurs qui ne sont pas encore arrêtés. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez vraiment transféré des documents à votre GAC pour qu'il puisse se défendre ? Non, mais attendez, là, on parle de l'éthique des... Je vais vous dire, vous ne ferez rien. Vous ne transférez rien. Non, vous ne transférez rien. Donc vous allez laisser le gars se défendre tout seul sans aucun document pour qu'il puisse se défendre. Et si vous ne lui transférez rien, il ne pourra pas se défendre, bien évidemment. Vous ne lui transférez rien parce que celui qui dirige votre boîte, c'est qui, d'après vous ? Lorsque vous êtes sous enquête comme ça, qui dirige votre boîte ? Non. Yeah. Non, même pas. Presque. Celui qui dirige votre boîte, c'est le cabinet d'avocats que vous avez embauché pour vous défendre vis-à-vis des autorités américaines. Vous devenez une entreprise zombie. Vous pensez que vous êtes une entreprise, mais vous n'êtes plus une entreprise. Celui qui va diriger, qui va décider de vos faits et gestes, est le cabinet d'avocats qui vous représente vis-à-vis des autorités américaines. Il va vous dire, vous devez coopérer avec la justice américaine, sinon on vous arrête tous. Et donc vous faites exactement ce que je vous dis. Et vous devez montrer que vous coopérez avec la justice américaine, donc vous ne transférerez rien à ce monsieur qui vient de se faire arrêter pour qu'il puisse se défendre. Et en fait, vous ne décidez plus rien. Vous ne décidez plus rien dans votre boîte. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Moi, je fais souvent ce genre de formation dans des cabinets, dans des fonds de private equity. D'accord ? Parce que je me suis dit, au début, il faut sensibiliser ceux qui mettent du fric dans les boîtes. Quand même. C'est quand même eux qui peuvent, c'est quand même leur argent au bout du qui est à risque. Et le conseil, moi, ce que je donne, c'est que lorsque une entreprise est sous enquête comme ça, si le PDG a des pressions externes, et c'est souvent le cas parce qu'il était peut-être là depuis 5 ans, 10 ans dans la boîte, il faut tout de suite le changer. Il faut tout de suite le changer et lui mettre quelqu'un qui n'a pas la pression personnelle de pouvoir potentiellement aller en prison. Parce que sinon, vous ne pouvez pas prendre des décisions dans l'intérêt de votre entreprise. Vous devez prendre des décisions dans votre propre intérêt. Et ça, c'est complètement différent. On vous apprend à l'école, d'abord, lorsque vous êtes PDG d'une entreprise, d'abord, c'est les actionnaires, ensuite c'est les PDG, ensuite c'est le COMEX, d'accord ? Dans votre ordre de priorité. Mais quand il y a, dans la vraie vie, quand il y a un vrai problème, c'est inversé. C'est d'abord vous en premier, et après le reste. C'est vous, vous évitez d'aller en prison. C'est trop long ? Du coup, j'avais une question. Ça veut dire que pendant toute votre incarcération et même le processus avant, vous n'avez pas eu d'interaction avec Patrick Cron ? Et sinon, vous ne lui en avez pas trop voulu ?
Bon, lui, ça va. Je pense qu'il a pris ses millions après. Il a sa belle maison en Grèce et il est patron d'un fonds d'investissement. Donc ça va, il n'y a pas de problème. Non, depuis 2013, j'ai eu zéro contact avec M. Cron. Non, non. Zéro. Zéro contact. Mais de toute façon, à partir du moment où j'ai été arrêté, dès le lendemain, Alstom a envoyé une note interdisant à tout le monde de voyager sur le territoire américain. Alors, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que c'est tout le monde sauf M. Cron qui y va quand même. Hein. Vous voyez, il y va deux fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué une similitude de date. Il y retourne le 23 avril 2014. Alors, le 23 avril 2014, pourquoi il y retourne aux États-Unis? Il y retourne pour négocier à Chicago, dans l'Assemblée générale des actionnaires de General Electric, avec Jeff Immelt, donc le patron de General Electric, le prix de la vente. Lorsqu'il est sur le territoire américain, donc dans une vulnérabilité complète, hein, parce que là, ils peuvent l'arrêter, le mettre en taule pendant le reste de ses jours. Hein. Et donc, je suppose qu'il a eu très, très peur d'aller aux États-Unis pour cette négociation, mais il n'avait pas le choix. Lorsqu'il est sur le territoire américain, en train de négocier le bout de gras avec General Electric pour la vente, que font les Américains? Vous avez noté ou pas? Le même jour, ils arrêtent son ancien numéro 3, qui est sur un bateau de croisière dans les Caraïbes. D'accord? Donc, vous imaginez la pression, vous êtes en train de négocier la vente d'Alstom à General Electric, on arrête votre ancien numéro 3, un Anglais, dans les îles, et on vous fait comprendre que, tiens, on vient de l'arrêter votre ancien numéro 3. Je pense que les négociations, si ce n'est pas négocier avec un fusil sur la tempe, là, je me demande ce que c'est négocier avec un fusil sur la tempe. Alors, ce gars-là, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Cet Anglais, il a bossé chez Alstom de 2002 à 2005, donc 3 ans dans sa carrière, au siège en charge de l'Asie. Pendant ces 3 ans, il n'a jamais mis les pieds aux États-Unis. Il est parti d'Alstom en 2005, il est retourné en Angleterre, il a pris sa retraite en 2008. Il est arrêté en 2014, donc 6 ans après être parti de la retraite, 9 ans avoir quitté le groupe. Alors qu'il est sur un bateau avec sa femme dans les îles Caraïbes. Vous imaginez un petit peu le stress? Alors cette personne, il faut peut-être avoir une pensée pour elle, parce que moi je suis sorti, mais elle est en prison aux États-Unis actuellement. Un élément qui est important, je donne le micro à Laurence après, c'est quand même de bien noter que là on n'est pas encore passé devant une cour de justice et on n'y passera jamais en fin de compte. La spécificité de ce genre d'affaires, c'est qu'effectivement, on est dans de la négociation, comme on peut avoir dans certaines séries américaines bien senties. C'est-à-dire qu'il y a des coups de poker, il y a des bluffs et il y a de la négo. Et tout se négocie et ce n'est pas la justice qui est à l'œuvre. C'est l'administration, celle de la justice américaine, qui va négocier, qui va enquêter et qui va essayer de faire pression et de récupérer le maximum au profit de l'économie américaine. En aucun cas, il y a une décision de justice. Et ça, c'est un paradigme fondamentalement différent de ce qui peut se passer en France. En France, ça n'existe pas, ça. On ne négocie pas les peines, on ne négocie rien. Avec, d'ailleurs, le ministère de la Justice, il doit assurer l'instruction à charge, à décharge, enfin, tout ça. Et donc, après, c'est la cour qui va décider, en fonction de la nature de l'affaire, des juges professionnels, ou alors une cour d'assises, et là, c'est le peuple qui doit juger. Là, ce n'est pas le cas. Et là, c'est extrêmement, extrêmement différent. Et ça aussi, ça oblige à changer son mode de raisonnement, puisqu'on est dans une négociation du fort au faible, ce qui a été démontré par ailleurs. Oui, bonsoir, merci pour le documentaire et puis les débats intéressants. Et je voulais vous demander, quelle était votre fonction au moment où vous avez été arrêté chez Alstom? Et je dirais, pourquoi c'est tombé sur vous? Merci pour la question, très bonne question. Alors, on va se replacer dans le contexte de 2010. 2010, la stratégie du groupe Alstom, déjà Alstom, vous voyez ce que c'était, Alstom, trois grands départements. Hein. Un secteur qui fait la production d'électricité, donc là où on était leader mondial dans le nucléaire, dans l'hydraulique, etc. On faisait tout type de centrales électriques.
Deuxième secteur, un secteur de transport d'électricité, transport et distribution. Donc là, on fait les lignes HVDC, on fait les transformateurs, etc. Et troisième division, celle que vous connaissez tous, la division transport, on fait les trains, les TGV, les lignes de métro. À l'époque, la stratégie d'Alstom, c'était quoi? C'était de dire, OK, sur la partie production d'électricité, les contrats sont principalement en Asie. Parce qu'en Asie, ils commencent à construire leur première centrale électrique. D'accord? Alors qu'en Europe, aux États-Unis, on a déjà construit des centrales depuis très très longtemps, et donc on est dans un marché de maintenance, alors qu'en Asie, on est dans un marché de construction des premières centrales électriques. Donc marché principalement en Asie. Et donc la stratégie du groupe est à l'époque de se marier avec nos concurrents chinois de Shanghai Electric. Ça, c'est sur la partie transport, sur la partie production d'électricité. Et sur la partie ferroviaire, l'idée, c'est de faire entrer au capital d'Alstom Transport des Russes à hauteur de 20%. Donc vous avez des Français qui discutent avec des Russes, qui discutent avec des Chinois. Bon, il manque quelqu'un dans le paysage, hein, vous êtes d'accord? Et donc, à l'époque, moi, j'étais patron d'une division qui faisait à peu près 1,4 milliard de chiffre d'affaires, à peu près 4 000 personnes. Et c'était la division chaudière, et on avait décidé, avant de se marier avec les Chinois, de se fiancer, pour voir si ça marchait bien déjà. Et on avait décidé, pour se fiancer, de fiancer ma division avec la division équivalente chez Shanghai Electric. Et donc, pendant 2 ans, moi j'ai fait ce qu'on appelle le carve-out de toutes les unités dans le monde de ma division, donc j'avais des unités un peu partout dans le monde, j'ai transféré le siège de Paris à Singapour, j'ai négocié avec les Chinois une joint venture à 50-50 où j'étais le futur PDG de cette joint venture, après accord entre les deux actionnaires. Et donc, pourquoi ils m'ont ciblé moi? Parce qu'en m'arrêtant moi, ils ont tué complètement ce rapprochement avec les Chinois. Et donc d'ailleurs, à partir du moment où j'étais arrêté, ça c'est... Et pourquoi ça leur faisait peur? Parce que ce rapprochement avec les Chinois nous mettait très largement maintenant en numéro 1 sur la partie production d'électricité. Et qui dit production d'électricité, c'est beaucoup plus stratégique que le train, l'électricité, d'accord? Parce que là, vous avez la mainmise sur toutes les centrales que vous avez construites, parce que bien évidemment, la partie contrôle-commande, vous avez la partie maintenance, etc. Donc il y a un lien de dépendance qui se fait entre le fabricant et bien évidemment l'opérateur de la centrale. Et donc, on était à l'époque, 2010, on était numéro 2 ou numéro 3 derrière General Electric Siemens, et en faisant cette alliance avec les Chinois, on est passé numéro 1. Donc là, en fait, ils ont fait d'une pierre deux coups, quoi. Bonsoir, merci beaucoup pour le témoignage. J'ai juste une question assez simple finalement sur la relation de l'État français vis-à-vis de cette guerre économique. Et j'aurais voulu savoir si éventuellement votre témoignage très très prégnant, bon, qui détaille beaucoup de choses, a été utile. Sur la défense nationale, est-ce que vous avez été écouté, entendu? Avez-vous eu des appels qui ont permis peut-être d'influencer quelque chose? Est-ce que vous avez vu des changements dans la posture de notre défense? Merci à vous. Alors, lorsque je suis revenu en 2014, après les premiers 14 mois de haute sécurité, j'ai fait 3 choses. Un, je suis allé m'inscrire à Pôle emploi. D'accord? Quand même, qui m'ont regardé avec des yeux. Enfin, j'aurais pas. Ouais, mais j'aurais pas trop expliqué ce qui m'est arrivé parce que sinon, déjà, c'était compliqué. Deux, j'ai créé ma boîte de conseil parce que pendant 14 mois, j'avais étudié toutes les procédures américaines, toutes les entreprises qui avaient été ciblées par les autorités américaines. Lorsque vous étudiez ça, vous voyez le paysage qui s'éclaircit, quoi. Vous comprenez qu'en fait, cette loi est principalement utilisée comme arme de guerre économique. Et je peux y revenir après. Et trois, j'ai discuté avec l'ancien bâtonnier de Paris, en lui expliquant tout ce que j'avais trouvé, en faisant ses recherches, et je lui ai dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, parce qu'avant Alstom, il y a eu Total, Technip, Alcatel, personne n'en a entendu parler, et il va y avoir Airbus, Sanofi, Société Générale, etc., qui sont dans le pipe,
Et donc, il faut essayer de réveiller un peu les autorités françaises pour essayer de protéger les entreprises françaises. Et donc, on a organisé à l'époque, en 2015, un colloque à l'Assemblée nationale qui s'appelait « Après Alstom, à qui le tour ?» pour sensibiliser les députés à la nécessité de changer la loi anticorruption française. Cette loi a été changée en 2016, elle s'appelle la loi Sapin 2, et c'est une loi de défensive. D'accord ? Elle permet aux autorités françaises et aux entreprises, notamment, de négocier des accords pour éviter des poursuites aux États-Unis. Donc cette loi Sapin 2 existe depuis 2016. C'est défensif, mais au moins ça mérite d'exister. Il faut espérer qu'il y aura une prochaine loi qui sera plus offensive pour un peu rendre la monnaie de leur pièce aux États-Unis sur ce sujet-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque je suis revenu une deuxième fois de prison, donc en 2018, je suis allé voir Bercy en leur disant, voilà, General Electric est dans une situation financière catastrophique à cause de la dette qu'ils ont des subprimes. Je vous rappelle qu'à l'époque 2008-2010, General Electric était avant tout une banque et une compagnie d'assurance. Et vous vous souvenez de la crise des subprimes ? Dans la crise des subprimes, le gouvernement américain a sauvé un certain nombre d'entreprises, et notamment a sauvé General Electric, notamment GE Capital, qui était la filiale de General Electric, qui a apporté le plus de profit à GE, en injectant, vous savez combien le gouvernement américain a injecté dans GE pour sauver GE à l'époque ? 139 milliards de dollars. Je répète, 139 milliards de dollars. Pour une boîte. Donc vous êtes tous à l'école, on vous apprend tous dans les écoles de commerce que, ok, on va laisser la main du marché faire, etc., et puis tout se passera bien. Bon, on est les seuls à encore croire ça. Hein. Je peux vous dire que les Américains sont extrêmement interventionnistes, encore plus que les Chinois et encore plus que les Russes. Hein. Donc eux ne vont pas laisser tomber des boîtes stratégiques. Donc, ceci dit, ils ont un mur de dette, General Electric. Et donc, je suis allé voir l'État, donc Bercy, l'APE, la DGE, etc., en leur disant, voilà, General Electric a un mur de dette, ils vont devoir revendre une partie de ce qu'ils nous avaient acheté. Et donc, c'est dans l'intérêt de la France de racheter la partie nucléaire, la partie turbine à Rabel, pour la maintenance des centrales nucléaires et la construction des nouvelles centrales. Vous avez vu quand même qu'il nous a fait un chantage, juste après le rachat, d'arrêter de fournir des pièces de rechange. Ça veut dire quoi ? Ils avaient menacé, en gros, de mettre le pays dans le noir. Hein. C'est ça, on leur a donné le pouvoir de mettre le pays dans le noir. Donc, j'ai monté avec l'aide d'un fonds et d'anciens d'Alstom, toute une équipe pour racheter la partie, ce qu'on appelle les turbines à Rabel, la partie nucléaire. Et donc, pendant 2 ans, j'étais royalement ignoré par le gouvernement, parce que c'était un peu trop proche des décideurs de l'époque. Et puis, la souveraineté industrielle, c'était pas du tout leur sujet. Là, je vous parle de 2019, 2020, etc. Alors là, circuler n'a rien à voir, hein, c'est pas le sujet du tout du moment. Et puis après, il y a eu le Covid. Alors là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un an, ils sont tous souverains. Hein. Là, on parle de souveraineté numérique, de souveraineté industrielle, de souveraineté juridique, etc. C'est en veux-tu, en voilà. Ils ont tous retourné casquette. Et donc là, à un moment, ils se sont dit, bah, tiens, oui, votre dossier, c'est vraiment bien. Effectivement, ça serait bien de reprendre la main là-dessus. Et donc, j'étais très, très bien. Et à un moment, on m'a dit, bah, c'est plus nous qui décidons à Bercy. C'est, comme le sujet est quand même très, très sensible, comme vous avez pu le voir quand même dans le reportage, ça va être repris en main directement par l'Élysée. On dit, très bien, ça va être repris en main par l'Élysée. Bon, en gros, le président et le secrétaire général de l'Élysée. Et un mois après, on nous a dit, ben, désolé, l'Élysée a décidé que c'était EDF qui allait racheter. Donc merci pour votre dossier, on l'a donné à EDF et on a dit à EDF de le faire. Okay. Sauf que EDF, ce n'est pas du tout la vocation d'EDF de fabriquer des turbines. Et le PDG d'EDF, d'ailleurs, ne voulait pas racheter ces turbines. D'accord. Mais l'Élysée lui a tordu le bras pour qu'il le rachète. En gros, c'est pour vous expliquer, c'est comme si vous demandiez à Air France de racheter Airbus. D'accord. Ou à la SNCF de racheter Alstom Transport. Bon, y en a, ce sont des opérateurs, il y en a qui sont des industriels. Donc ça n'a aucun sens.
ça n'a aucun sens. Mais on est parti là-dedans et vous avez eu, il y a 15 jours, il y a eu une grande annonce à Belfort en disant on va racheter. Avec tambour et trompette, avec la belle turbine à balles derrière. Sauf que c'est complètement prématuré parce que le rachat est complètement pas bouclé du tout. Ça va prendre encore un an, mais bon, ça tombe juste bien. On a deux mois des présidentielles, donc c'est parfait comme effet d'annonce, quoi. Donc, on est dans une situation où on n'a plus de stratégie industrielle en France. On fait du court-termisme, un coup parce qu'on vend, parce que voilà, ça arrange tout le monde, comme vous l'avez vu. Là, on rachète parce que voilà, pour des raisons qui sont pas industrielles, on fait un montage qui est de briquet de broc, mais ça fait bien, ça on fait passer la pilule. On a perdu la notion de l'intérêt public, l'intérêt long terme. Et c'est ça qui est dramatique. Et sur le nucléaire, on ne peut pas jouer ce jeu-là. On ne peut pas dire un jour, on vend à Alstom, l'autre jour, on le rachète. Un jour, on fait Fessenheim. Le lendemain, on dit qu'on va faire 14 nouvelles centrales. Un jour, on arrête le projet Astrid, qui est le projet de nouvelle génération de centrales nucléaires. Et le lendemain, on relance le programme nucléaire français. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. En 5 ans, on a tout eu, là. On a tout eu. En même temps. On le rachète deux fois ce qu'on a vendu. Voilà. Donc on rachète deux fois ce qu'on a vendu. Bon, pour ajouter de la complexité à la complexité, le deuxième client des turbines Arabelle, ce sont les Russes de Rosatom. Donc voilà, mais on a fait le deal avec eux juste avant ce qui se passe. Donc ils s'en connaissent très bien, oui. Bonsoir, merci pour ce débat. Bon, du coup, la réaction que vous venez de voir m'amène à une question sur le périmètre du rachat, parce que je ne suis pas convaincue qu'on rachète les brevets qui, à ma connaissance, sont détenus par une holding en Suisse, et je ne suis pas non plus convaincue qu'on rachète les contrats de maintenance qui sont ce qui marche le plus dans le terme. Donc, on rachète plus cher quelque chose qui est potentiellement une coquille vide, mais ça, c'est une question que je laisserai à l'interprétation de chacun. J'ai Alors, premièrement, personne ne connaît le périmètre. D'accord. Tout ce qu'on a pu voir, ce sont des effets d'annonce. Même les gens de Belfort ne connaissent pas le périmètre du rachat. Donc, on pense quand même qu'il y a au minimum les turbines neuves et au minimum la maintenance des ex-turbines d'Alstom. La propriété intellectuelle, pas claire du tout. Et plein d'autres choses aussi dans le périmètre de rachat, notamment les équipes d'engineering qui font ce qu'on appelle l'ensemblier de l'îlot conventionnel des centrales nucléaires. Donc cette partie-là, on ne sait pas trop où est-ce que ça va être. Mais peu importe, là, c'est pas le, enfin, peu importe, en fait, pour l'effet d'il y a 15 jours, l'important c'était de montrer qu'on faisait quelque chose, quoi. Voilà. Maintenant, on va voir dans le détail comment tout cela va se passer. Avant la guerre en Ukraine, c'était déjà pas une bonne idée parce que EDF est concurrent de Rosatom sur les premiers marchés internationaux. Donc, voilà, la moitié des turbines vont chez Rosatom, c'était déjà pas une bonne idée. Maintenant, avec la guerre, c'est encore pire, quoi. Donc, il va falloir renégocier le prix d'achat, il va falloir renégocier tout ça, quoi. Et du coup, ma question initiale était plus large, peut-être destinée à M. Moinet, M. Coussy. C'est est-ce qu'il n'y a pas eu des événements avant-coureurs qui auraient pu faire que la France identifie ça, s'en prémunisse? Parce qu'on voit que des phénomènes de prédation, il y en a eu plusieurs, mais on voit aussi d'autres dossiers qui sont tout aussi inquiétants, comme par exemple la rupture du contrat des sous-marins avec l'Australie et le fait qu'il semble que la France se soit retrouvée totalement démunie et une réaction digne d'un enfant de 4 ans. Face à une puissance étrangère, et c'est comment dans l'avenir, en fait, est-ce que la France ou l'Europe peuvent se redoter d'une capacité d'anticiper ces dossiers et éventuellement de les bloquer pour reconstruire une vraie souveraineté? Ça serait le rêve, c'est-à-dire se doter d'une capacité d'anticipation, mais en fait ça sert à rien de se doter d'une capacité d'anticipation si ontologiquement le système est fait pour qu'on ne réagisse pas. Et de ce point de vue-là, la cartographie de David Gendreau et leur être, elle est magnifique à la fin. Quand on voit les intrications internes du système français, où on a des PDG qui sont prêts à se vendre pour 10 à 20 millions d'euros, c'est ça le ticket d'entrée,
et de vendre une partie de la souveraineté nationale. Et quand on voit les intrications des réseaux entre conseillers politiques, élus, têtes pensantes, etc., la cartographie, elle est incomplète sur certains points. Quand on dit que Roussely et l'ancien PDG d'EDF est à la banque de Crédit Suisse et c'est le mentor de Cédric Lewandowski, ça va plus loin que ça. Cédric Lewandowski, c'était le directeur de cabinet de Roussely, PDG d'EDF, qui est passé directeur de cabinet du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, mais qui est maintenant revenu patron de la division voiture électrique chez EDF, me semble-t-il. Très influent dans le Parti Socialiste, puisque c'est quand même une petite chasse gardée. Clara Guémard, ancienne présidente de l'Agence française pour les investissements internationaux jusqu'en juillet 2006. Elle rencontre Jeffrey Immelt quand ? Elle rencontre Jeffrey Immelt le 4 juillet 2005 sur le tarmac de l'aéroport de Nantes-Saint-Nazaire, à l'occasion de la participation du PDG de General Electric à la World Investment Conference à La Baule. Et ils se rencontrent pour la première fois là, et moins un an après, elle passe directement de haut fonctionnaire ambassadrice aux investissements internationaux en France, pour l'étranger, elle passe présidente France de General Electric. Un pantouflage comme jamais on en a vu. Il y a des commissions qui empêchent ça, et ça se fait naturellement. General Electric est quand même un grand investisseur français. Tout le monde trouve ça normal, elle passe à la division Europe ensuite, et elle entraîne dans son sillage bon nombre de hauts fonctionnaires qui ont travaillé avec elle avant. Des amis qui ont travaillé avec elle à la FI, qui l'ont suivi chez General Electric. Donc vous voyez que toutes ces intrications font que quand bien même on aurait des signaux d'alerte, on ne parle pas de signaux faibles, hein, M. Moynier, on n'a pas le droit, hein. On ne parle pas de signaux faibles, hein, c'est interdit, vous le savez tous, hein, et toutes. Quand bien même on aurait ces anticipations, ces signaux d'alerte, je ne crois pas que le système est prêt à penser différemment. Et c'est bien ça le plus grave, en fait. Sauf à empêcher un certain nombre de choses, c'est-à-dire ces allers-retours publics-privés, grands corps d'État, etc. Mais qu'on voit la commission d'enquête du Sénat, on en parlait sur notre book WhatsApp, sur les cabinets conseils, est assez fascinante. Quoi. On voit des témoignages de gens qui sont du corps des ponts, qui passent chez McKinsey et qui vont expliquer comment faire autrement ce qu'ils ont eux-mêmes piloté avant dans l'administration publique quand ils y étaient. Donc, vous voyez, donc je crois que là, il y a un phénomène de fond qui empêche en fin de compte une réaction, sauf à changer vraiment de paradigme et à peut-être écouter les productions de la recherche française en la matière et qui décortique ces mécanismes depuis quelques années. Et Nicolas Moynier avec Christian Arbulot et d'autres en sont les exemples. Je ne sais pas si la réponse te convient, mais... L'actuel patron de General Electric, Hugues Bellet, était au cabinet de Macron lorsque Macron a fait la vente. D'accord ? Donc il est passé, juste après la vente, il est passé du cabinet... General Electric en charge des affaires publiques, en gros en charge du lobbying de General Electric, et maintenant il est président de General Electric France. Moi j'ai une petite question pour vous, M. Pierucci. Vous qui étiez quand même un membre très important d'Alstom, qui est une entreprise fortement stratégique pour la France, est-ce que vous avez eu, durant ces années chez Alstom, la moindre formation à l'intelligence économique ? Zéro. On n'a jamais eu de formation ni à l'intelligence économique, ni on n'a jamais eu personne des services. D'accord ? Alors que je vendais quand même des îlots conventionnels de centrales nucléaires en Chine et un peu partout. Je l'ai vu après, parce que quand Alstom, à un moment, a travaillé avec des entreprises américaines, on voyait comment on travaillait des entreprises américaines. Et donc là, ça n'a rien à voir. Mais juste sur la guerre du droit, là. Vous prenez... tous les secteurs d'activité. Moi, j'ai eu le temps d'étudier justement toutes les affaires contre les entreprises qui ont été poursuivies par les autorités américaines pour enfreindre soit au Foreign Corrupt Practice Act, soit tout ce qui est embargo, sanctions, etc. Ne serait-ce que, vous prenez par exemple le secteur de l'électricité, production d'électricité. Dans le monde, à part les Américains, il y avait 4 entreprises. Alstom, Siemens, ABB, Hitachi. Ces 4 entreprises ont été poursuivies par les autorités américaines pour enfreinte au FCPA. Alors que la loi américaine ne s'applique à ces entreprises-là que depuis 1998, depuis qu'elle est extraterritoriale.
alors qu'elle s'applique aux entreprises américaines depuis 1977, depuis la date de la création de FCPA. Depuis la date de la création du FCPA, les Américains n'ont jamais été capables de trouver un seul cas sur General Electric, Westinghouse, Babcock Wilcox, Foster Wheeler, Sargent & Lundy, Bechtel, etc. Zéro entreprise concurrente des américaines n'ont été poursuivies en 50 ans d'existence de cette loi. Donc ça vous montre qu'il y a une asymétrie complète des poursuites. Prenez le cas des télécoms, c'est la même chose. Vous prenez le cas de l'oil and gas. Vous avez eu Total en France qui a été poursuivi. Vous avez eu Eni en Italie. Vous avez Statoil en Norvège. ExxonMobil, Marathon Oil, etc. Tous les Américains n'ont jamais été poursuivis pour avoir payé des pots de vin à l'étranger. Donc soit ils sont très propres, d'accord. Soit les agents du FBI sont très bons à poursuivre les entreprises étrangères, mais pas les entreprises américaines. Et ça, lorsque vous faites l'étude, vous vous rendez compte que 75% du montant des amendes payées au titre de cette loi sont payées par des entreprises non américaines. Et ces 75%, les trois quarts, encore une fois, sont des entreprises européennes. Donc ils ont d'abord ciblé les entreprises européennes et les entreprises japonaises. Pourquoi ? Parce que c'était les entreprises concurrentes des boîtes américaines. Ils ne sont pas allés taper les Russes ou les Chinois à l'époque, parce que dans les années 2000-2010, etc., les grands concurrents des entreprises américaines étaient avant tout les entreprises européennes. Donc ils ont d'abord ciblé les Européens, les Français, les Allemands, les Italiens, les Anglais. Ils sont allés attaquer British Aerospace pour payer des pots de vin en Arabie Saoudite. Quand même le faire, quand même. S'il y avait un pays qui paye des pots de vin en Arabie Saoudite depuis 50 ans, c'est bien les États-Unis. Non, mais ils sont allés choper British Aerospace. Toutes les histoires sont absolument incroyables. On va raconter une anecdote. Vous avez une fois, ils se sont tirés une balle dans le pied. Vous avez une boîte qui s'appelle qui est dirigée par un gars qui s'appelle Giffen. Elle s'appelle Mercator, cette boîte. C'est une petite boîte de lobbying à New York. Ce gars-là, à la fin des années 90, il est envoyé par, après que l'URSS soit démantelé, il est envoyé au Kazakhstan pour essayer de négocier des champs pétrolifères et gaziers pour le compte d'ExxonMobil. Le gars paye des pots de vin à Nazarbayev, donc le président du Kazakhstan, et à toute sa famille. D'accord ? Il ouvre un compte en banque chez Indosuez en Suisse, et il verse des dizaines de millions sur les comptes en banque de Nazarbayev et de sa famille. Il lui offre des bijoux, des voitures, etc. La totale, pour qu'Exxon gagne ses contrats, ses concessions au Kazakhstan. Et un jour, vous avez le FBI qui débarque chez lui, et il dit, voilà, vous avez enfreint le Foreign Corrupt Practice Act. Vous avez payé des pots de vin aux autorités étrangères. Le gars, il dit, oui, bien sûr, j'ai payé des pots de vin. Je vous donne d'ailleurs tous les comptes en banque, tous les pots de vin que j'ai payés. Mais je l'ai fait sur ordre de la CIA et de la Maison Blanche. Donc, messieurs du FBI, allez discuter avec vos copains. Et en fait, toute sa défense a été ça. Je faisais ça sur ordre de la CIA et de la Maison Blanche. Ça a duré 5-6 ans, cette affaire. Au bout du compte, vous savez, il a été condamné à quoi, ce brave monsieur ? À une amende de $50 pour évasion fiscale. Voilà. Donc, ça vous montre la symétrie des poursuites. D'accord. J'avais une question par rapport au fait que vous avez dit précédemment que selon vous, dans la situation de vente d'Alstom, il aurait fallu peut-être changer le PDG. Je voulais savoir quel regard vous portiez sur cette affaire de vente d'Alstom, plutôt dans la gestion de l'affaire. Les groupes ne sont pas préparés à ça. D'accord. Moi, je fais beaucoup de formations, de séances de sensibilisation dans les COMEX des grands groupes. Et vous leur demandez, demain, vous avez une situation comme Alstom, comment vous préparez à ce genre de crise ? Très peu de groupes sont préparés à ça. Très peu de groupes savent comment réagir, quel avocat utiliser, quelle est la stratégie vis-à-vis du salarié qui vient de se faire arrêter, quelle est la stratégie du COMEX, etc. Donc, c'est très compliqué de se préparer à ce genre de choses. Et donc, Alstom a réagi comme l'espèrent les États-Unis, en fait. Au début, ils ont réagi en prenant les Américains de haut,
parce que vous expliquez ce que ça voulait dire coopérer. Alors que vous êtes un PDG d'une boîte française, que vous avez baigné dans l'intelligence française, vous vous sentez intouchable, d'accord ? Parce que vous avez sur votre portable le numéro du président de la République, et que Alstom est en gros une ancienne société d'État, vous dites « les Américains ne vont jamais oser s'attaquer à nous et ne vont jamais oser nous mettre en prison ». Les États-Unis se foutent complètement si sur votre portable vous avez le président, le numéro de téléphone du bon Dieu, d'accord ? Ils vous arrêtent comme n'importe quel quidam. Donc, mais dans l'intelligence française, on a encore cette mentalité de dire on est intouchable et on a un immense sentiment d'impunité sur ces sujets-là. Et donc, nos élites ne sont pas préparées à se confronter à ça. Et donc, la réaction première d'Alstom, lorsqu'on leur a expliqué qu'il faut coopérer, et coopérer, ça veut dire exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, le PDG, il se dit « Non, je ne vais certainement pas embaucher un cabinet d'avocats américain pour qu'il vienne faire le ménage chez moi, et qu'en plus, je vais le payer. Quoi. Non, il faut être fou pour faire ça. » Donc, il les a envoyés balader. Sauf que les envoyer balader, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment, les Américains perdent patience et ensuite arrêtent quelqu'un. Voilà. Alors, ils n'arrêtent pas le PDG, ils arrêtent quelqu'un en dessous, parce qu'il faut bien évidemment avoir quelqu'un avec qui négocier, d'accord ? Donc, ils arrêtent quelqu'un d'en dessous, et ensuite, ils font comprendre au PDG que le prochain sur la liste, il ne coopère pas. Et voilà comment marche cet enchaînement. En fait, moi, j'en veux pas du tout aux Américains, là-dedans. En fait, ils jouent leur jeu. Ils défendent leurs intérêts, ils jouent leur jeu, ils sont coordonnés entre les services de renseignement, les grandes entreprises, etc. Ils jouent leur jeu. Le problème, il est chez nous. Le problème, il n'est pas chez eux. Hein. Tous les pays jouent leur jeu dans la guerre économique mondiale. Eux, actuellement, ce sont les plus forts parce qu'ils voilà, dominent. Ils dominent militairement. Donc, quand ils dominent militairement, ils vont essayer d'imposer leurs lois. On l'a fait. Hein, lorsque Napoléon dominait militairement, on a essayé d'imposer notre loi aussi partout. Hein. C'est pour ça que vous avez le code napoléonien un peu partout. Hein. Les Anglais l'ont fait lorsqu'ils étaient dominants. Les Romains l'ont fait. C'est pour ça qu'on a aussi le droit romain. Donc à partir du moment où vous êtes militairement dominant, vous allez essayer d'imposer votre droit. Et donc actuellement, voilà, les États-Unis sont militairement dominants. Ils essaient d'imposer leur droit. Le problème, c'est les chez nous. Comment réagir ? Alors on a commencé à réagir en France. Les Italiens ont commencé à réagir, mais il n'y a pas de réaction européenne et il n'y aura pas de réaction européenne sur ces sujets-là. Moi, j'avais une question au niveau des autres pays. Comment ils usent de la guerre économique comme les Américains, par exemple les Chinois est-ce qu'ils ont les mêmes atouts offensifs au niveau économique ? Les Chinois, ce sont les seuls qui réagissent et qui ont réussi à freiner les Américains. Alors, ils l'ont fait à leur manière. Hein. Je vais vous expliquer un peu la manière. Les Américains ont, ça ne vous a pas échappé, ont essayé de convaincre le monde entier de ne pas utiliser la 5G chinoise, de Huawei et de ZTE. Vous vous souvenez ça ? D'accord ? Donc, ils ont fait un énorme lobbying dans les pays européens, dans les pays africains, etc., de ne pas utiliser la 5G chinoise en disant que il risquait d'avoir des fuites avec les autorités chinoises, etc. Bon, ce qui est certainement vrai, mais la raison principale, c'est plus compliqué pour la NSA de se pluguer sur des équipements Huawei que de se pluguer sur des équipements Cisco ou Nokia ou Ericsson. Donc, ce qu'ils ont fait, les Américains ont arrêté la numéro 2 de Huawei au Canada, en disant qu'en gros, Huawei avait enfreint les embargos américains sur l'Iran parce qu'ils avaient vendu deux portables et trois téléphones. Et ils l'ont arrêté au Canada pour enfreinte aux autorités à la loi américaine sur les embargos. Et vous avez eu un bras de fer ensuite entre les États-Unis, le Canada et la Chine. 15 jours après l'arrestation de la CFO de Huawei au Canada, entre parenthèses, c'est la fille du fondateur de Huawei, quand même, les Chinois ont arrêté deux Canadiens en Chine. Et après, on négocie. Résultat, ça a duré 3 ans, mais après 3 ans, les Canadiens ont remis Madame dans un avion en direction Shenzhen, et le même jour, les Chinois ont remis les deux Canadiens en direction Vancouver, et tout le monde est content. Tactique israélienne, tactique turque. Les Turcs ont fait exactement la même chose sur un cas où ils ont transféré aussi des prisonniers. Alors, tactique française, je voulais que je vous explique. Tactique française, lorsque j'étais la deuxième fois en prison,
les autorités françaises ont eu l'idée de faire ça. De dire, on va faire un échange de prisonniers, comme pendant la guerre froide. Quoi. D'accord ? Donc l'ambassade française a demandé au ministère de la Justice en France, ok, quel Américain on a en France qu'on pourrait échanger avec Pierucci ? Réponse de la ministère de la Justice française, on a zéro Américain dans nos prisons en France, donc on n'a rien à échanger. Et nous, on avait 60 Français en prison aux États-Unis. Donc l'échange a tourné très court. Mais voilà, c'est un pays qui ne comprend le rapport de force. Et donc si vous n'êtes pas dans une situation de rapport de force, tant qu'il gagne, il joue. Hein. Petite remarque quand même, on a été capable dans l'histoire, et pas si vieille que ça, de mettre des rapports de force, hein, même dans les années 90, pour ceux qui ont vu le documentaire hier sur la 5, sur les espions dans Paris, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a expulsé des diplomates américains, etc. Voilà. Et c'est une remarque, c'est purement pour votre réflexion. On a mis des rapports de force quand les élites qui dirigeaient la France étaient passées à un moment ou à un autre par une culture martiale. Donc par l'armée. Un des derniers à s'être opposé aux Américains, vous le savez, c'est Chirac. Chirac avait fait la guerre. Beaucoup de dirigeants dans les pays, la Chine, la Russie, Israël, les États-Unis, sont passés un moment par l'armée, ont eu des courtes carrières ou des passages, ont connu l'armée, ont connu en fait le combat et le rapport de force. Les élites françaises, pas que françaises, mais notamment françaises, peut-être qu'elles se sont un peu ramollies. Et ça, c'est un vrai problème de fond. On va rapidement passer à la dernière question pour clore ce débat. Bonsoir, messieurs. Donc, moi, je voudrais savoir, est-ce que les accusations de corruption, elles sont vraies ou bien elles sont fausses? Et si elles sont vraies, est-ce que vous, avant votre arrestation, vous avez eu vent de ça, que Alstom faisait ce genre de pratiques dans certains pays en Asie ou en Afrique? Merci. Juste pour être clair là-dessus, jusqu'à l'an 2000, toutes les entreprises françaises allaient déclarer les pots de vin qu'ils payaient à l'étranger à Bercy. Tous les ans. Et c'était défalqué de votre compte de résultat. Voilà, pour que ce soit déduit de l'impôt sur les sociétés que vous payez, comme frais exceptionnels. D'accord. Donc, et tous les pays dans le monde faisaient à peu près la même chose. D'accord. Parce que les gens réagissent de manière très très différente sur les sujets de corruption, savoir si la corruption elle est chez vous ou si elle est chez les autres. D'accord. Je pense que personne ne souhaite ici que le maire de Poitiers soit corrompu. On est d'accord. Par contre, si, je ne sais pas, une entreprise de Poitiers, qu'est-ce qu'il y a comme entreprise qui reste Saft, par exemple, si Saft va payer des pots de vin en Afrique pour gagner un contrat qui va faire bosser les usines de Saft ici, et qu'ils vont payer 1% de pots de vin via un intermédiaire commercial, on ne va pas le voir de la même façon. On est d'accord ? Donc on a tous une vue à géométrie variable de la corruption. Pourtant, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, chez Alstom, il y a eu un grand changement à partir de l'année 2000. C'est-à-dire qu'avant l'année 2000, tout le monde allait déclarer les pots de vin à Bercy. Après l'année 2000, il y a eu la convention de l'OCDE poussée par les Américains pour que les pays membres de l'OCDE incluent dans leur droit national l'interdiction à leurs entreprises de payer des pots de vin à l'étranger. Donc, Alstom a ensuite mis en place ce qu'on appelle des procédures de compliance, d'accord, pour vérifier notamment l'intégrité des intermédiaires commerciaux qui étaient utilisés, etc., etc. Un code de conduite, tout ça. Sauf qu'à l'intérieur d'Alstom, c'était ce que j'appelle moi de la compliance cosmétique, c'est-à-dire qu'on habille la mariée pour la faire belle, mais au bout du compte, on continue à faire exactement la même chose derrière, quoi. D'accord. Donc, il y avait toute une organisation au plus haut niveau de l'entreprise qui avait été mise en place pour pouvoir continuer à payer des pots de vin pour remporter des contrats dans beaucoup de pays qui étaient extrêmement corrompus, donc l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, etc., etc.
comme beaucoup de grands groupes. C'est pour ça que vous avez la liste de toutes les entreprises qui ont été poursuivies pour avoir enfreint au Foreign Corrupt Practices Act et à d'autres lois anticorruption. Les Américains font la même chose. En fait, pendant très très longtemps, et encore maintenant, vous avez plein d'entreprises qui ont ce qu'on appelle des problèmes de compliance, mais qui sont des problèmes de compliance de façade. Alors, à l'intérieur d'Alstom, c'était mis en place au plus haut niveau de l'entreprise, et ça, ensuite, c'était extrêmement dilué dans l'organisation. Pour embaucher, par exemple, un agent commercial dans un pays, il fallait pas moins de 13 signatures qui impliquaient la compliance, la direction juridique, la direction pays, la direction des ventes, etc., 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 jusqu'au niveau N-1 par rapport au CEO de l'entreprise. Ceux qui étaient en charge, normalement, de s'assurer que tout ça était fait de manière correcte, c'était le département compliance. Sauf que le département compliance, il l'avait mise chez Alstom, rapportant aux équipes ventes. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour mettre une équipe de compliance rapportant aux ventes. Voilà. Et pendant très longtemps, ça a été comme ça chez Alstom. Voilà. Donc, après, sur les projets, à mon avis, les Américains auraient très bien pu sortir des affaires de corruption d'Alstom dans une vingtaine de pays, dans une trentaine de pays. Ils en ont sorti sur 5 pays. Mais ici, ils avaient fait exactement la même enquête de l'autre côté de l'Atlantique sur les groupes américains. Ils auraient trouvé la même chose, voire pire. C'est une remarque par rapport à ça, mais tu l'as bien dit tout à l'heure. Je pense qu'on peut faire un parallèle avec la lutte antidopage. Ceux qui se font piquer avec des poches de sang dans la voiture, dans le coffre de la voiture. Puis il y a ceux qui font des préparations médicalisées en altitude, plusieurs dans le Colorado, par exemple, au hasard. Mais eux, ils sont pas, c'est pas du dopage, quoi. C'est de la préparation médicale. Ben là, c'est exactement la même chose, puisque recruter des anciens hauts fonctionnaires à des postes très élevés, payés très cher, c'est un message qu'on envoie aux actuels, à ceux qui vont prendre des décisions. Ce n'est pas de la corruption. Favoriser une bourse à Harvard pendant 3 ans à 100 000 dollars l'année, ce n'est pas de la corruption. Voilà. Donc, c'est la corruption, ça, c'est parfois un peu l'arme des pauvres. Sauf qu'ils payent vraiment aussi des pots. Je vais vous raconter quand même une histoire, la dernière peut-être avant de clore. Technip, ça vous dit quelque chose, Technip? Non, ça vous dit rien? Ils ont moins la couture industrielle que dans les écoles d'ingénieurs. Alors, Technip, c'est ceux qui font des forages pétroliers, d'accord, en France, d'accord. C'est donc onshore et offshore, d'accord. Donc, c'est quand même une entreprise très stratégique. Alors, un jour, Technip a fait un consortium pour remporter un contrat au Nigeria. Nigeria, pays extrêmement corrompu, comme beaucoup d'autres. Ils font un consortium avec qui? Avec une équipe, une boîte japonaise, Marubeni, et une boîte américaine, Halliburton. Ça vous dit Halliburton? Ça vous parle un petit peu Halliburton ou pas? Dick Cheney, ça vous dit, oui? La guerre en Irak. Dick Cheney, vice-président des États-Unis, CEO d'Halliburton, texan dans l'oil and gas. Donc ils font un consortium avec une filiale de cette boîte à Halliburton pour remporter ce contrat au Nigeria. Contrat de 2 milliards. Les Américains sont leaders du consortium et organisent le paiement de 188 millions de dollars de pots de vin. Alors, sur un contrat, 188 millions de dollars de pots de vin payés au Nigeria pour remporter le contrat. Pots de vin qui sont payés, d'après vous, comment les Américains payent les pots de vin pour que ça se passe le mieux possible? Via qui? Via quel genre d'intermédiaire? Vous dites, non? Via les cabinets d'avocats. Parce que les cabinets d'avocats, secrets professionnels, etc. Donc, on prend un cabinet d'avocat anglo-israélien pour payer des pots de vin en Arabie, au Nigeria. Sauf que, à un moment, les Américains se font un peu piéger. Et vous avez un juge français qui s'aperçoit que ce consortium a payé ses 180 millions de dollars de pots de vin au Nigeria. Et donc le juge français lance une enquête, bien évidemment, contre Technip, mais bien évidemment contre Halliburton en même temps. Dès que les Américains voient qu'un juge français enquête sur l'entreprise dirigée par le vice-président des États-Unis, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font, les Américains? Ils demandent aux autorités françaises de leur donner le bébé. Donc, d'accord, on va dire, ok, c'est une boîte américaine, on va juger la boîte américaine aux États-Unis. On est assez cons pour le faire.
Donc on leur envoie le dossier corruption d'Haliburton, Technip, sur le Nigeria. Que font les Américains ? Ils sont obligés de mettre une amende à leur boîte, d'accord ? Donc là, ils sont pris la main dans le sac, d'autant plus que le CEO de la filiale américaine avait touché 10 millions de dollars de rétrocommission. D'accord ? Donc le mec, c'était son invité bien sorti. Donc les Américains mettent une amende à Haliburton, mais bien sûr, ils n'enquêtent que sur Haliburton, sur le projet Nigeria. Ils ne vont pas commencer à faire une enquête mondiale sur Haliburton. Hein. Par contre, sur Technip, on leur a transféré le dossier Technip. Donc là, ils demandent à la Technip, vous faites une enquête mondiale sur Technip. Et Technip paye 335 millions de dollars d'amende pour une affaire que nous avons trouvée, qu'on leur a transférée. Ils payent une amende de 335 millions de dollars et trois ans après, Technip est vendu à un groupe américain texan, trois fois plus petit, FMC. Même chose qu'Alstom. En pire. L'art de la prédation économique. Voilà. Moi, je voudrais vraiment remercier à titre personnel Frédéric Pierucci d'être venu ce soir. Quand tu lui ai demandé il y a quelques semaines, il y a même quelques mois, puisqu'on devait faire initialement au mois de janvier, il a tout de suite dit oui. Ça fait trois ans qu'on se côtoie au sein de l'Observatoire de l'intelligence économique français. Et c'est vraiment, vraiment très, très sympa. Et je suis vraiment très reconnaissant qu'il ait fait ce déplacement. On s'est rebaladé devant l'ex-ANSMA, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais le bâtiment du rectorat qui est à côté était l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique jusqu'en 1994, je pense, ou 13. Et donc, c'était avec émotion qu'il revenait sur là où il a étudié il y a maintenant 30 ans, un peu plus de 30 ans, et voir que c'est quand même une carrière exceptionnelle, puisqu'il était patron monde de la division chaudière d'Alstom, ingénieur ANSMA, c'est une grande école d'ingénieurs, et une aventure un peu extraordinaire, voire même très extraordinaire, une aventure humaine comme rarement on peut en voir. Et moi, je suis fier d'être à côté d'un repris de justice ce soir.